Coucou les chocroloutes, ici Lopina pour la mise à jour de Star Stable. Je suis pas avec le club parce que les gens ont une vie et les gens désespèrent aussi. Pas à cause des élections de Donald Trump, mais même si c'est une bonne raison, mais parce que le jeu est buggé, n'est-ce pas? Je sais pas si vous voyez ma tête parce que le jeu est tellement buggé que moi ça me fait un carré noir quand je demande le retour de la caméra. J'ai pas fait de mise à jour depuis longtemps parce que le jeu me chier dans la bouche, c'est-à-dire que moi j'ai l'habitude de jouer en fenêtré, je préfère mes jeux en fenêtré puisque comme ça je peux switcher sur mon deuxième écran tranquillou gilou et ça ne bug pas, sauf que ben du coup Star Stable ça s'affichait sur mes deux écrans quand je le mettais en fenêtré et je voyais que la moitié de l'écran, donc j'ai dû désinstaller et réinstaller deux fois le jeu pour que ça marche. Là déjà tout à l'heure ça m'a fait une petite frayeur en se remettant un peu n'importe comment. Voilà, donc ça me saoule. Je continue de penser qu'au lieu de nous faire des chevaux et des tenues et ce genre de trucs, il ferait mieux de faire des grosses mages moins souvent mais une bonne fois pour toutes pour résoudre leurs bugs et arrêter d'en sortir tous les jours. Enfin bref. Je suis pas m'énerver, mais voilà, vous allez me voir moins souvent sur Star Stable. C'est pour ça que normalement les vidéos Star Stable sont le mercredi. Et comme vous pouvez le constater, ça fait bien 2-3 semaines qu'il n'y a plus rien. Je pense qu'on refera une vidéo avec le club au moment des écuries. Peut-être pour la nouvelle région aussi. Mais sinon les trucs genre regarde des nouveaux chevaux et des nouveaux vêtements. Wouhou ! Les nouveaux chevaux, j'irai les voir. Après, je vous avouerai que j'ai même pas augmenté mon pur sang anglais gris que j'avais acheté la dernière fois. Parce que les bugs, etc. Enfin, c'est fatigant. Star Stable me désespère un peu. J'adore ce jeu. C'est une bonne idée, il y a des bons trucs, mais c'est mal organisé. Et du coup, c'est pénible. Si tout va bien, je vais quand même faire une vidéo un jour avec Unicornis. Je sais pas si vous la connaissez. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous mets sa chaîne en description. Elle est trop kiki et elle joue depuis pas très longtemps. Et elle fait des mises à jour. Elle fait des mises à jour aussi de son côté. Et l'autre jour, elle m'a proposé une vidéo. Donc on verra pour se caler ça. Aussi, comme vous êtes quand même quelques-unes ou quelques-uns, je ne sais pas, à bien aimer mes vidéos Star Stable, je pensais faire un de ces quatre, un meet-up sur le jeu. Donc on se réunirait, je sais pas, à Fort Pita ou à Mourland, et puis on pourrait discuter, même si discuter c'est un c'est un grand mot vu la censure, lol, on va s'éclater. Bref, on verra bien, hein. on fera pas grand-chose je pense, mais si vous avez des questions ou quoi, pourquoi pas discuter, le chat miaule. Voilà, mais je vous redirai tout ça, je ferai une annonce bien comme il faut. Je n'ai pas d'idée de date, mon chat s'éclate. Hydromel, il est pas fini, voilà. J'allais voir l'ermite. Je sais même pas si vous me voyez, je sais même pas si c'est bien cadré, puisque comme j'ai dit, j'ai pas le retour, c'est parfait. Sinon, je voulais remercier Marjorie, qui est sur un groupe Star Stable et qui m'avait proposé à ce que mes vidéos soient en épinglé dès que je ferai les mises à jour, donc merci, parce que je crois que je ne l'ai pas encore remercié en vidéo, donc merci, c'est gentil. Du coup je suis désolée parce que je ferai pas toutes les mises à jour, donc voilà, mais si la proposition tient toujours, et c'est très gentil à toi. Pareil, je vous mettrai son groupe dans la description. Alors allons voir le petit poney. De toute façon je compte même pas les acheter en fait, parce que je suis grave blasée du jeu, mais je vais quand même regarder, peut-être plus tard, je sais pas, on verra. Alors, voyons voir. Ouais, bon, c'est un poney, quoi. La meuf, il n'y a plus du tout d'enthousiasme ni rien. Je trouve qu'il est plat. Vous trouvez pas qu'il est plat? Je sais pas. Après, il est mignon, hein. Mais je suis pas fan. Je pense pas le prendre. En plus, c'est un poney gallois, donc c'est lent. Bon, je ne pense pas le prendre. Je vais aller à Epona, là, direct. Ma petite jument. J'adore ce Frisian Horse, là. Frisian Spot Horse. Ah, ça lag, c'est génial, ça lag. Ça annonce la couleur. Alors, voyons voir. Où es-tu? Pourquoi ça frise comme ça? J'ai un PC de gameuse, hein, donc si ça frise, ça vient pas de moi. Tu es là, petit lipisan. Il est mignon. Ah, voilà, il est mignon, lui. Putain, mais arrête de friser, connard. Merci. Il est trop chou. Il est mignon, mais bon, un B après.
J'en ai déjà plein dans mon écurie. Je verrai, franchement, je verrai avec les nouvelles écuries, parce que si j'ai bien compris, si on paye, on pourra avoir autant de box qu'on veut. Et faudrait que je paye pour mes 80 chevaux. Ce serait comique, je pense que ça ferait complètement laguer le jeu si j'avais 80 chevaux comme ça. Mais pourquoi ça lag là? J'ai rien qui tourne derrière. Non mais c'est une blague. Alors, on va aller voir le petit Frisian. Ah, il est beau! Oh, j'ai bien fait d'attendre hein, pour en prendre un deuxième. Ah, oh, il est trop beau. Eh ben lui, je le prendrai pour mon deuxième compte si j'ai le courage d'y rejoindre un jour. Donc, résultat de cette sublime mise à jour très longue. Donc, je n'ai pas été voir les vêtements parce que on s'en carre le fion. Je suis pas du tout fan du poney gallois. Le lipizan est sympa, mais j'en ai déjà, donc je suis pas sûre de le prendre. Et le frisian blanc, il est magnifique. Donc, soit je le prendrai là, soit je le prendrai... Soit je le prendrai pour mon deuxième compte si j'y rejoue, je sais pas. Je verrai, bref. Ah oui, et pour celle qui pose la question, je n'aime pas les morts, c'est tout. Voilà. J'aime pas les morts, c'est un objet de torture sur le cheval. Vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires à propos des morts. J'ai mon avis dessus, ça ne changera pas. Voilà, et vous avez le vôtre et je le respecte, mais moi je n'aime pas les morts. Donc ce n'est pas un bug, c'est normal si j'ai pas de bride. Sur ce, je vous fais plein de bisous. J'espère quand même que ça vous a plu, même si c'est court mais intense et que j'ai bien râlé. Je vous fais plein de bisous et salut.